Absolument. D'ailleurs, c'est une fontaine symbolique parce que la plus grosse problématique que j'ai rencontrée au Bolchoï, c'était le problème de la langue. Et donc, nous avons trouvé la solution, nous nous sommes mis à danser. Ça s'est très très bien passé, il y a eu une relation absolument extraordinaire, j'étais extrêmement fier, très heureux de cette invitation, ça a été un moment absolument magique. Je crois que ça a été symboliquement aussi une rencontre extraordinaire entre deux cultures, un respect mutuel, une curiosité mutuelle, pour un résultat qui, vous le vérifierez, je l'espère, en laissant, en tout cas, parler du cœur, il y a eu des moments très magiques avec ce qui s'est passé là-bas. J'ai été merveilleusement accueilli par le Théâtre de Bolchoï, toutes les équipes, et je suis très, très heureux qu'on puisse les amener à Monaco et vous présenter ce spectacle. Alors précisément, Jean-Christophe, en descendant à Monaco, on pourra voir ce que vous avez présenté à l'instant. Absolument, avec quelques petites retouches, parce que déjà, évidemment, j'ai très bien affiné tout ce qui avait été fait, mais ce sont tous ces derniers danseurs, ce sera absolument la même production, avec l'orchestre d'harmonie, je crois qu'effectivement, c'est ce qui a merveilleusement simple depuis là, la rencontre à la fois de la culture monégasque et de la culture russe sous un même plateau, je pense. Alors, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes très stressé, mais c'est un événement qui est quand même d'ici, travailler avec une troupe telle que celle du Bolchoï. Je crois que c'est la première fois depuis 279 ans qu'un chorégraphe étranger est invité à faire une soirée entière au théâtre du Bolchoï, et je suis particulièrement heureux que ça se soit passé avec